quel qu'en soit le minimum, soyons solidaires entre nous. Ça pourrait nous amener loin, très loin. Le peu que j'ai, plus le peu que vous avez en les ajoutant, pour d'autres personnes, ça peut être une très bonne chose. Donc, j'invite à tous à adopter le mot-clé de Gabdo ici, qui est la solidarité, dont révèle l'esprit de cette cérémonie. C'est un signe d'espérance. Signe d'espérance pourquoi ? Celui qui a un franc et qui peut le partager avec toi, le jour où il aura 10 francs, il partagera aussi avec toi. Ce qui est donné, ce n'est pas ça l'important, c'est le symbole. Le symbole pour dire je compatis à la douleur, je compatis à l'épreuve que tu es en train de traverser. Si je n'ai pas les millions pour te donner, je te fais un geste pour te donner le sourire, pour te reconnaître comme étant un autre moi-même, ce qui appelle l'altérité. Depuis la création du Fonds Maya, même il y a plus de 10 ans, elle était basée sur les valeurs de solidarité, d'entraide, d'accompagnement entre les acteurs. Donc depuis dès lors, c'est vraiment l'opération Sunakari a été lancée. Et chaque année, pour contribuer un peu vraiment à apaiser, en fait, à faire passer ce moment vraiment souvent difficile, et surtout au moment actuel où nous sommes, vu la situation économique, financière, sociale difficile, à essayer de surmonter cette pente. Donc c'est chaque année vraiment une tradition que le Fonds Maya et cette année le Fonds Maya avec l'ACF se mettent ensemble pour vraiment accompagner les artistes et les acteurs culturels. C'est pas que Dumini Mimbina Diko Suntire Hôtel. Enveloppe Mindira, enveloppe Infinite. Menga Dondro Kafo, Mou Django Mau Akli Bena. On lui soit dia de Benena. Alibi Alaka Dofara Oka. Wa munu fene ni baranke ma ni ala fe alibi ala ku bulu na barala ala ka barika du la barala ala ku sinsi ala ka ku san foloi ala ka na ku san labani o katemen ni bara in fe ni mo ere ma du ye diana wallahi ala ba do ye parce ne jigi tugu da mo do ka nyambi ala de ba do o kuma ka da o ere gansan droma a tie tie re re la ala ka hera ke be ali munu nyu se mu kono koro do bi anno olu mana do re la on wele la una na en place la kana en place la ne ra ni ndenge na na nyongo fe adana nga parce que ta mama no ma oh donc o mko dama munu bi anno me fe ala ka hera ku be la jele ni ala ka mbe sa ko dama c'est la joie, l'honneur. Moi, je dois remercier le Fonds Maya et le Fonds africain pour la culture pour avoir organisé cet événement, réunir les artistes de tous bords pour donner du Sunakari. C'est une manifestation de solidarité, de convivialité, de fraternité entre les artistes. Et c'est une action à encourager. Et je prie Dieu que ça se pérennise et que ça s'améliore, que Dieu vous donne encore le moyen de faire plus. Parce que les artistes maliens sont dans la grande majorité de la précarité. Surtout quand on a un certain âge, on n'a plus de travail. On n'est plus dynamique, on n'est plus... On est créatif, mais on n'est pas dynamique sur le terrain. Donc cela fait que des gestes comme ça ont une portée incommensurable. Moi, j'étais couché dans mon lit malade. Ça, c'est un honneur qu'il faut venir féliciter, remercier sur le terrain. Parce qu'à Bambara, on dit « Boyabé, Boyakoma, c'est bien ». C'est pas tous les jours que quelqu'un t'appelle pour te dire « Viens, je te donne un franc ». Donc, si quelqu'un t'appelle pour te dire « Je te donne un franc », tu dois faire au moins le minimum, c'est te déplacer pour venir lui dire « Merci à Djaragné ». Voilà, c'est pourquoi nous sommes là. Tous ceux qui sont là vous remercient. Je ne sais pas si je suis pas à Warko, mais de fait, nous sommes là.
On n'a pas besoin de commenter cette initiative des fonds Maya. Le fonds Maya, c'est déjà une manne qu'il fallait que Dieu a donnée aux artistes et aux acteurs culturels du Mali. Ce que le fonds Maya fait pour la culture du Mali, aucune institution dans ce pays ne le fait. En cela, il faut simplement dire merci au fonds Maya et merci pour cette initiative qui est à sa 11e édition. Fonds Maya a été appelé à l'école de l'école de l'école de l'école de l'école de l'école. Parce que en artiste, en informaya donc depuis wakati minga gerama, faut si ça, ou est dana danga face au dia comme, car dana danga anga chesiri comme, car sur moyen temps mais car en capacité la gueule dana danga, neni nyoko na chama, ambete mena informaya fait, en demet chama sur informaya fait, ou dana ya no clinéa, ou ni soja bene kambika bifolike. Je pense que cette activité, comme vous le savez, se tient depuis plus de 10 ans. C'est la 11e édition cette année, le Sunakari. C'est une activité que le Fonds Maya a mis en place depuis 2012 et qui se tient de manière régulière chaque année durant la période du mois de Ramadan. Et cette année, on a juste voulu continuer la tradition qu'on mène depuis plusieurs années. Et cette année, il y a la particularité qu'on le fait dans le cadre d'une rupture collective aussi. Il y a les appuis individuels qu'on donne aux artistes qui ont été sélectionnés par les trois grandes fêtières de la culture au Mali, à savoir le réseau KIA, la FEDAMA et l'UAPREM. Et ces trois fêtières nous ont proposé des noms d'artistes et acteurs culturels en situation difficile auxquels on donne des enveloppes symboliques pour leur permettre de passer ce mois du Ramadan en toute quiétude. Et à côté de ces enveloppes symboliques-là, on s'est dit que ça peut être un cadre d'échange et de réseautage, un cadre de retrouvailles entre artistes et acteurs culturels chaque année. Et à la suite de ces retrouvailles et échanges, on a la rupture collective pour célébrer le mois de Carême.